maison, il y a toujours du rangement à faire. Des choses qui ont été mises en désordre. Il y a la poussière qui s'installe. On se sent beaucoup mieux quand c'est propre, quand c'est ordonné. Telle est la psyché aussi. Quand on a vécu la vie, quand on a vécu des choses, on doit nettoyer les résidus. Tout ce qui n'est pas profitable pour la propreté, pour l'ordre, pour l'harmonie, doit être balayé. Alors comment balayer ces mémoires? Comment se balayer, comment se nettoyer des vécus qui nous collent au corps, à la peau, qui nous collent dans les schémas de pensée. Comment? Parce que c'est une des choses qui semble aujourd'hui dans notre société très difficile à concevoir. Parce que nous voulons justement, on nous a appris à garder nos mémoires, nos rancunes, nos idées, nos croyances, tout ce qu'on a établi, on a acquis, on veut les garder. On veut les garder et à la fin, ça fait un paquet de poussière qui s'est incrusté dans la psyché. Et nous ne voyons plus clair. Il n'y a plus la clarté de l'instant où tout est neuf, tout est propre, lavé. D'ailleurs, c'est avec l'eau que vient déjà le premier lavage de la mémoire. Prendre une douche, c'est important. Se laver de tout ce qu'on a vécu. L'eau a une puissance extraordinaire. Se laver le corps, changer ses vêtements, être propre. Déjà, ça donne une luminosité en soi. Mais cela ne suffit pas. Parce que la mémoire s'incruste dans la psyché même, les schémas, les pensées même sont la mémoire. Et nous devons faire en sorte que toute cette mémoire soit comprise, vue, acceptée pour ce qu'elle est, mais pas ignorée. Parce que c'est seulement quand on n'est pas attentif à ce qui se passe que les choses s'incrustent. C'est quand on n'est pas attentif à ce qui se joue dans l'instant où on le vit, quand on est distrait de ça. Les choses que nous sommes beaucoup, nous les humains, distraits, on dépense notre énergie à être distrait pour ne pas voir ce qui se passe. On préfère regarder ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait qui se passe, que d'accepter les faits qui se jouent. Et c'est pour ça que les faits qui se jouent, ce sont des choses qui vont s'incruster au-delà, en dehors de la présence de toi, de ton esprit. Donc, tu dois être prêt à pouvoir être attentif à tout ce qui se joue. Parce que c'est à ce moment-là que rien ne se repose. À ce moment-là, tu es capable de laisser tout ce qui se passe pour ce qui est et ne pas jouer avec, ne pas le mettre dans ton sac à dos, alourdir la vie que tu as. Elle est déjà assez lourde comme ça. Alourdir la vie de toutes sortes de choses qui se passent. De la colère, de la hargne, d'un divorce, quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a volé de l'argent. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont s'incruster. C'est à ton insu. Parce que tu es distrait. Et la distraction, c'est de savoir comment faire
pour ne pas être impacté par ça. Ça, c'est une distraction. Non, il faut juste accepter que ce soit ainsi. Et quand on accepte de regarder en face, eh bien, il n'y a pas absorption de la chose. La chose reste où elle est. On la met à sa place. On regarde des faits. Et on ne regarde pas ce qu'on aimerait. Voilà comment cette mémoire peut ne pas s'incruster. Mais il semblerait que toute notre vie, on soit distrait de tout ce qui se passe. Nous ne voulons pas regarder vraiment ce qui se passe. Nous avons peur de la réalité, de savoir que les choses sont crues. Nous voulons les enjoliver. Et pour les enjoliver, ben, il faut que justement toutes ces mémoires nous servent à quelque chose. Parce que nous les enjolivons avec justement toutes les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on aimerait, les histoires qu'on invente, l'imagination, et on fait un monde qui ressemble à ce qu'on aime. Mais tu ne sais pas, à ce moment-là, que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Parce que tu récoltes justement de ce que tu fais, l'impact, le revers de la médaille. Tu as du plaisir instantané. Tu as ce que tu veux peut-être maintenant. Tu as de l'argent, tu es content, tu vas acheter des choses. Mais il y a le revers de la médaille de tout ça. C'est pas que c'est important de pouvoir faire des choses dans la vie. Mais c'est d'être distrait et de ne pas s'apercevoir qu'on est en train de s'attacher à ces choses. On s'attache et donc le résultat, c'est qu'il y a quelque chose qui se sème et on va le récolter. On récolte comment? Eh bien, c'est la société dans laquelle on est. On la fabrique de cette manière. On fabrique la société de nos désirs, de tout ce qu'on aimerait faire pour éviter d'être face à soi-même. Donc on fabrique une société, on fabrique des relations pour ne pas être face à soi-même. On aimerait avoir le genre de relation qui nous donne de la gaieté, qui nous donne un peu de répit à être face à une réalité crue. On veut s'amuser, on veut du plaisir. Mais tout ce plaisir est éphémère. Et comme c'est éphémère, eh bien, on prend ce qui est éphémère, mais tôt ou tard, il y aura grande déception. Grande déception dans ta vie, parce que tu t'es toujours appuyé sur ce qui n'est pas vrai, sur ce qui est un contentement immédiat, une satisfaction, un assouvissement immédiat. Et ce sont toutes ces mémoires que tu gardes, ces assouvissements, ces joies futiles, ces plaisirs qui te donnent un instant de répit. Quand tu t'accroches à ça, ce sont les saletés de la vie que tu dois te débarrasser de ça. Pour être neuf, pouvoir accueillir ce qui existe vraiment. Et ce qui existe vraiment, c'est quelque chose de bien plus profond que ce qui est superficiel. Et quand on a vu ce qui est au-delà de ce qui est superficiel, on sait que nous en sommes dignes. Nous en sommes dignes de ce qui est authentique, vrai, cru. Qui est la chose même, le Saint Graal de la vie. Mais pas les petites babioles, les petites fleurs, fleurettes, les petites paillettes que nous découvrons sur le parcours de l'existence. Mais c'est la vivacité de cette profondeur dans laquelle on ne va très rarement.
parce que l'esprit est distrait par la superficialité de la vie. Donc, on devra quitter cette superficialité de la vie, se nettoyer de cette superficialité pour aller en profondeur, parce que dans la profondeur, tout est neuf d'instant en instant. Et ça veut dire, ça implique que tu dois laisser derrière toi tes privilèges, tes désirs, tes envies, tes contentements et accepter la vie telle qu'elle est. Parce que la vie n'est pas quelque chose pour être content ou mécontent. La vie, elle est ce qu'elle est et tu dois vivre toutes les étapes de la vie. Mais si tu veux vivre que ce qui te plaît, alors tu n'auras que la superficialité. Mais si tu veux vivre vraiment la vie, alors tu auras la vie elle-même. Et c'est la seule chose qui peut te remplir de joie, parce que tu sais que c'est éternel, c'est immuable. Alors que l'éphémère vient et part. Et elle donne des problèmes à nos vies. Elle donne de la déception, la frustration. Elle crée la violence dans le monde. Parce que nous sommes prêts à, coûte que coûte, garder ces choses qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas pérennes. Nous voulons, dans ces choses futiles et éphémères, de la sécurité. Alors que la sécurité, il n'y en a pas. Dans ce monde, il n'y a pas de sécurité. Au bout, il y a la mort, donc l'insécurité. Mais quand tu sais, quand tu connais la profondeur, tu connais la sécurité. La sécurité, c'est qu'il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Et ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, l'esprit est calme, l'esprit sait sur quoi se baser? Il ne se basera jamais sur l'éphémère qui meurt d'instant en instant. Il ne voudra pas s'attacher à ça. Il va s'attacher à quelque chose de subtil. Et pour être subtil, il faut que tu aies l'esprit subtil. Il faut que tu saches sortir de tes train-train, des petites habitudes que tu as emmagasinées, que tu as chéri pour pouvoir rester dans une zone de confort. Et cette zone de confort que tu appelles ma sécurité, ma vie, mon argent, ma voiture, ma femme, mes enfants, elle est vouée à l'instabilité et à l'insécurité dans ce monde.